moi, c'est définitivement le dessin puis la peinture là, qui me touche le plus, puis qui c'est nécessaire pour moi de le faire. J'ai pas le choix. Tout simple que ça, là, c'est comme on n'a pas le choix, il faut qu'on respire, bien ça, c'est, j'ai pas le choix, il faut que je peigne. C'est vraiment ça. Si je suis en train de faire un artichaut, une grenade ou une fleur, puis que là, j'ai l'impression qu'elle sort de la feuille, qu'on sent vraiment l'effet, là, la troisième dimension, là, je me dis, OK, je suis sur la bonne voie. Là. Je dois dire que quand je commence à peindre, c'est comme, je mets pas mon cerveau à off, là, mais c'est vraiment, c'est comme je le laisse aller. Dans le fond, c'est ça, c'est qu'il faut revenir à l'enfance. Les enfants vont s'émerveiller devant tout puis rien. Puis dans le fond, l'artiste, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Comme même les choix de couleurs ne seront pas nécessairement ce que je vais voir, mais vraiment ce que je ressens. C'est comme si je le vois autrement que ce que je le vois avec mes yeux. Et que c'est de voir peut-être avec ton cœur. Mais l'interprétation va être vraiment selon mon mood. T'sais, ça va être de voir la magie que j'ai vue, comment je l'interprète. C'est l'émerveillement, encore une fois. Là, c'est le côté que les enfants ont, que les adultes ne devraient pas perdre. C'est vraiment là, un questionnement constant, puis tu vas évoluer. C'est ce qui fait que l'art est vivant, puis que nous aussi, on l'est.